Mesdames et messieurs, bonjour, c'est BFA, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Castle Crush. Avec, comme vous l'avez vu en live pour certains, on est arrivé au château 8. On est même maintenant à 3217 trophées, donc on a dépassé, on l'a explosé ce château 8. On a passé de 200 trophées au-dessus ce château 8. Donc ça c'est épique. Je tiens à remercier d'ailleurs pour les 200 trophées. Alors d'abord on l'a fait en live jusqu'à 3048 TR. Avec mon deck que voici, que voilà bas, c'était celui-là, je crois. Voilà, le deck version Spectre, Spec Spawner, on l'appelait comme ça. Putain, on l'appelait comme ça. Et donc après, je suis monté avec un autre deck et on va en parler juste après. Bien sûr, pour ceux qui ne connaissent pas Castle Crush, le jeu est en description de vidéo pour iOS, Android, c'est gratos. Voilà, je fais des lives de temps en temps dessus maintenant parce que ça vous plaît bien, on s'amuse bien avec, donc c'est nickel. On a 20 000 gemmes, donc on va pouvoir faire des choses avec. Je vous rappelle aussi qu'il y a le clan Pray for Win pour ceux qui sont intéressés de me rejoindre s'il y a de la place et qu'ils ont des trophées. Voilà, on fait un peu évoluer le clan. Hein. Il évolue, on a un trophée, etc. Il faut qu'il monte en puissance ce clan. Donc voilà, on essaye de virer les inactifs, tout ça, et de faire monter le clan en puissance. Il y a, et je vais vous montrer maintenant, le shop de folie. Regardez la légendaire qui me manque, l'élémentaire de tempête. Il est là, on l'a pas droppé. À chaque fois on a ouvert des coffres mythiques, on l'a pas droppé. Donc du coup, sans plus tarder, on va direct... non, pas deck. On va directement... Bah non, on était dans le magasin, c'était très bien. On va directement acheter 100 000 or. Bim, c'est fait. Et on va se le débloquer tout de suite maintenant. Boum, nouvelle carte légendaire débloquée, l'élémentaire de tempête. Donc ça, c'est très bien. D'ailleurs on fera peut-être une game avec, on va voir pour le découvrir. Alors voilà, ça c'est fait. On va s'ouvrir un petit coffre. Alors il y a bien sûr aussi une nouvelle carte que j'ai débloquée, qui est une carte commune, qui est la chinoise. Je l'appelle la chinoise, mais en fait elle s'appelle Samouraï d'éventail, un truc comme ça. Attendez, je vais vous dire, elle s'appelle danseuse, pardon. Danseuse aux éventails. Voilà, la petite chinoisette, la petite japonaise plutôt, c'est plutôt japonais hein, ça. Voilà, donc on va essayer d'en dropper, peut-être en allant chercher quelques coffres, quelques grands coffres, voilà, parce que c'est de la commune, donc si on tombe dessus, c'est nickel. Ça c'est la rare croissance géante, la commune... Non, c'était l'inverse, pardon. C'était la commune, la croissance géante, et la... Pardon, je me suis planté, donc on n'a pas eu, on a eu le bourreau à la place. Alors, la commune, la danseuse, non, ça sera la tribu d'archère. Ici, rituel de mana, c'est très bien. Et baliste, c'est pas mal. Alors, attendez, je voudrais en profiter quand même pour level up des cartes, parce que je pense que j'aurai besoin encore d'or. Clairement, ouais, je crois que clairement, on va acheter de l'or. On va plutôt faire comme ça, on va encore acheter de l'or. On va être tranquille sur l'or. Voilà, il reste 10 000, comme ça, on voit après ce qu'on fait avec. On va, hop, augmenter les squelettes ici. Ça, c'est fait. Non, c'est pas le bon deck. Bon, c'est pas grave. Je l'ai aussi ici normalement. Voilà, je l'ai aussi ici. Donc 4000 ici, on augmente les petits squelettes. La horde de squelettes s'est augmentée. 8000 ici, hop. Je vais faire les petits levels aussi. 8000 ici pour le fond bout. La météore ici, très bien. La météore qui fait des dégâts sur la tour. On augmente ça, on va faire une game. Vous inquiétez pas, on va faire une ou deux games easy. Voilà, la petite bombe finalement. Hey, parce que alors oui justement, j'ai oublié de vous dire, parce que je voulais remercier aussi pour les 200 trophées supplémentaires que j'ai fait au-dessus, grâce à un top FR Sgi, que je salue, et je vous invite à liker la vidéo si vous voulez, ou mettre en commentaire, si vous voulez qu'il vienne, qu'on l'interview, qu'on fasse des choses ensemble. Un gars expérimenté qui est là depuis le début du jeu, dans sa sortie en France. Et qui est très sympathique, qui est venu nous rejoindre sur le clan, sur le live. Je vais vous montrer s'il est toujours. On va voir s'il est premier fer toujours. Ouais, il est premier fer. Ah bah, Team Truit, il est parti chez Senor, tiens. Il est parti rendre une visite au père Senor. Voilà, donc très bon joueur. Voilà, très intéressant. Beaucoup de choses à apprendre de lui, donc ce serait intéressant de l'inviter sur la chaîne. Alors, ensuite, là, le deck il est EP, donc on va pouvoir retester ça. Donc, je vais vous montrer, c'est un deck rush. Alors, je vais juste faire ça avant. Hop, hop, pas de danseuse. C'est pas grave, et on y va, c'est parti. Première game. Donc, c'est un deck rush, c'est-à-dire c'est un deck avec des cartes qui coûtent peu cher, et en fait, faut spammer tout simplement. Les 3 lanes directement, dès qu'il y a du mana, faut envoyer et essayer de déborder l'adversaire. Et c'est génial parce que franchement, des fois j'ai réussi à passer sur le fameux deck démon déchaîné. Il a pas eu le temps de s'installer, que enfin il en a mis un, mais sur les autres lanes je l'ai spammé, donc du coup il a pas pu s'en sortir. Donc c'est assez bien. Alors attends, est-ce qu'il a un deck pareil ou pas? Hop, on y va, on envoie.
Sans attendre. Ok, là, ok, il protège. Alors, est-ce qu'on fait ça? Ouais, quand même, on défend un petit peu. Ok, très bien. Ok, alors, est-ce que je... Mon petit génie, je ne le mets pas encore parce que je le garde, vous allez voir, parce qu'en fait, j'ai le... Ah bah si, justement, je pourrais le faire avec le phénix. Donc, on pourrait faire le phénix ici. Voilà. On va mettre le phénix ici. Et on va mettre, vous allez voir, le petit génie devant. Donc, quand même, on tape, hein, déjà. Hein. Nous, on tape fort chez lui, hein. Il n'a pas le temps de trop... Voilà, il faut envoyer des cartes, faut spammer. Donc, on va spammer partout. Voilà. Très bien. S'il a une grosse carte, je peux jouer ma... Hop là. D'ailleurs, c'est ce qu'on va faire, je pense. Non, peut-être pas. On va la jouer maintenant. Regardez. On va la... Oh voilà, il est mort avant. Vous avez vu, c'est vraiment énorme. C'est très simple à jouer ce deck en plus. Et voilà, ça permet de monter en trophée. Donc c'est vraiment très très agréable. Petit coffre encore. J'aimerais bien avoir encore un peu de danseuse pour pouvoir la jouer un peu. Donc on y va avec un grand coffre ici. C'est parti. Alors, commune danseuse, oui, c'est bon, 232, allez, ça commence. Alors, là, ok, et enfin, résurrection. Bien sûr, il nous faut un coffre mythique, parce que si on ne fait pas un coffre mythique dans cette vidéo, vous allez me dire, non, on veut du mythique. 4100 gemmes, c'est parti, coffre mythique. Ah, pas de légendaire, on aurait voulu une légendaire. Pas de danseuse non plus. Cristal supplémentaire, c'est bien, golem, je joue plus. Et métamorphe, très bonne carte, qu'il faudra augmenter. Donc, on continue, une deuxième game, c'est parti. On gemme ça, hop. Tac, tac. Danseuse, pas de danseuse. Allez, c'est parti. On envoie. Donc la danseuse qui est une carte à 3, qui a un bon range, qui nettoie. Alors qui est très fragile, qui a pas beaucoup de points de vie, mais qui envoie des sortes de. Bah, ses éventails en fait, comme des shurikens. Donc à longue distance et qui tape sur tout le monde en fait, qu'elle tape sur la longueur de la lane comme ça, enfin de une grosse distance. Donc pas mal. On y va, on spam. Il fait rituel de mana. Donc en général, ce qu'on ça, c'est qu'ils ont. Alors on va mettre ça, ok. On va mettre ça aussi là-bas. Hop, voilà. Tac. Le bouffon bout, normalement il peut s'en débarrasser s'il n'est pas trop mauvais. Allez, il faut continuer. Dès qu'il y a du mana, il faut envoyer. D'accord. On va se taper le phénix ici. On lui met une bombe. Non, ah, dommage, ça servait à rien. Une bombe pour rien. Donc du coup, on y va ici avec la pirate. Donc vous voyez du coup les cartes. Alors ce deck-là, vous pouvez l'adapter clairement. Avec des cartes de votre arène, même si vous êtes à petite arène, hein, vous n'avez pas besoin de toutes les cartes. Moi j'ai remplacé par exemple justement parce que là, il y avait la danseuse dans le deck que j'avais pas encore et que du coup j'ai remplacé par autre chose. Et je sais plus par quoi d'ailleurs. Donc on va. Oh voilà, ça s'est tombé encore. Vous avez vu ça, c'est vraiment. Alors lui il était level 8, mais celui d'avant était level 10 quand même. Donc voilà, il avait quand même la légendaire level 2, je veux pas dire, hein, il avait quand même une reine des archers level 2, c'est pas dégueu. Donc on monte, mine de rien on monte. Hein. Magasin, pareil, on va se faire un petit coffre magique. Hop là. Hop, hop, hop. Qu'est-ce qu'on a? Des triplés, mages, etc. Ok, très bien. Bon, ben, on n'a pas eu, non, pas assez de danseuse pour l'évoluer de manière conséquente, mais c'est pas grave, on va continuer. Vous savez, c'est des games très rapides qu'on fait en plus, hein. Ah, tiens, voilà, il y en a 9 ici, bon, il m'en faudrait un coup de 1000, hein, pour se mettre bien. Allez, combattre, on continue, on est sur une bonne lancée, là, on fait que des records de trophées, là. Alors, je dis pas que ça va durer comme ça tout le temps, mais on... voilà. Donc, la main de départ, ça va, y a mieux, donc on va... Mettre ça, ok, main complète. Alors lui, il fait son rituel de mana. Mince, non, on voit pas ça. Ouh, j'ai failli envoyer la mauvaise carte. Très bien, ça a pas marché en plus, donc c'est nickel. Ok, on va bombisser. Voilà. Alors le squelette, c'est un peu relou, donc on va squeletter aussi ici. On va squeletter là. Ah purée, là il a, je crois, le deck spectre qui va peut-être nous enquiquiner. Alors. Cette légendaire là, que vous avez, je sais pas si vous avez déjà montré pour ceux qui n'ont pas vu les lives, en fait elle fait drain de vie, donc c'est assez intéressant. Là j'ai pas envie de faire météore, faut plutôt le faire sur la tour en face, donc autant que faire se peut. Là on va fondbou ici en bas, tac, on va casser du squelette, ok, elle tape devant, alors on va mettre le petit génie devant. Mince, j'ai mis un météore, oh purée, je me suis planté, oh. Je me suis téplan, et là je vais, non mais là je vais pas pouvoir défendre ça, ah ouais non, je vais pas pouvoir défendre là, il faut rusher en vrai. Il faut rusher mais j'ai pas le temps donc non on n'est pas le temps, on est foutu, mais j'ai fait une grosse erreur là, j'ai utilisé le météore, donc là c'est vraiment ma faute là.
Là, la game, on la perd à cause de moi. Ou alors, j'arrive à faire un coup de tempo. Attendez, j'essaie un coup de tempo, Ah, non, ça passe pas. Dommage, dommage, dommage. Je vais en refaire une. Non, mais là, c'est vraiment ma faute. Je voulais positionner le petit génie, vous avez vu, en face. Et j'ai choisi la mauvaise carte, j'ai mis le météore. Donc, c'est vraiment dommage. Ok, on en refait une autre. Il y avait moyen de la gagner, celle-là. Il y avait moyen de la gagner parce qu'on aurait pu météore éventuellement en défense après. Dans un cas extrême, on aurait pu le faire. On est contre Lucas. Ah, je m'en veux un peu. Bon, c'est pas très grave. Allez, on va se refaire. Les games sont rapides, donc du coup, ça permet de jouer pas mal aussi. Donc, un rush un peu plus. Un rush leader un peu plus rapide. Voilà, même s'il y a des défaites de temps en temps, ça reste un ratio très positif. Donc, il y a moyen de grimper. On verra. On verra mon évolution au fur et à mesure du jeu. Alors, il fait rituel. Vous avez vu, là, il essaie de poser son jeu. Donc, il fléchette. Voilà. Mais pendant ce temps-là, on va continuer. Est-ce que. Non, je vais envoyer les petits squelettes ici. Voilà. Hop, ça tape, ok, très bien, là on va lui envoyer je pense, non pas tout de suite du coup, on va envoyer ça ici, et on va envoyer là-bas, elle va arriver, voilà. La légendaire qui fait drain de vie sur lui, donc c'est pas mal, sauf qu'elle va peut-être mourir avant d'arriver là-bas. On va mettre la bombe ici, pile poil, nickel, oh le bon timing, hein. Le bon timing. Le phénix en haut, c'est très bien. Il a déjà utilisé sa sorcière noire, donc il ne la pète pas. On va pigénie ici. Ah mince, par contre, ça c'était pas prévu que ça arrive là. Alors attendez. Est-ce qu'on va arriver à passer. Attention en haut quand même. À son chevalier noir qui peut faire très mal. Voilà, il va shooter. Ah, la bombe qui tape pas, punaise, ça c'est pas bon. Météore sur lui peut-être. Ouais, non, ça suffit pas. Ça suffit pas, et là je commence à encaisser vraiment beaucoup. Surtout si le chevalier noir n'est toujours pas pris, il faut piocher. Malheureusement, il faut piocher. Allez, on s'en débarrasse. Oh là là là, ça va être chaud, ça va être très très chaud. Ça va être très 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 chaud. La météore, on la met ici ou ici. On va la mettre là quand même. Voilà, on sent. Ouh là là, un petit génie en défense, c'est pas top. Ouh là là, 447, vite, il me faut une carte en bas. Oh là là, quel game. On va pas s'en sortir, je pense. Malheureusement, on va pas s'en sortir. Pirate, oh là là, j'ai pas assez là. J'ai plus de cartes, j'ai plus rien. Il va passer, malheureusement. Repirate ici. Oh là là, c'est terrible. C'est terrible. On va pas s'en sortir, les amis, je suis désolé. Ah non, ça passe pas. Super combat, bien joué. Et là, ça a été un peu dur. Bon, bah, j'espère quand même que la vidéo vous aura plu. On est toujours à 3200 trophées, donc on est bien. On va continuer de monter. Je pense qu'on va aller au plus haut possible. On changera peut-être de deck encore, mais en tout cas, je vous le remonte. Vous pouvez changer après par des petites cartes certaines choses. Hein. Vous pouvez mettre le fond bout. Non, enfin voilà, le pied génie. Il y a quoi, la légendaire, oui, donc de base vous pouvez mettre la. Alors la samouraï, ouais, vous l'avez pas parce que c'est en château 8, donc vous pouvez mettre, vous pouvez mettre peut-être le petit nimbus à 2 là, ou alors archer, ou alors regardez les cartes qui sont pas trop chères et qui avancent vite. Tac. Ouais, métamorphe peut-être pas, ou alors mettre un deuxième bouffon par exemple, éventuellement une dryade, pourquoi pas. Ça reste à 4, c'est pas encore trop foufou. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt, ciao.